Bonjour à tous. Donc, deuxième petite vidéo pour vous expliquer par rapport aux pleines lunes. Donc, normalement, au début, je voulais les faire de janvier à décembre. Mais en fin de compte, je vais les faire comme là, on est au mois de novembre et que la pleine lune est au 23. Je vais vous expliquer déjà la pleine lune de novembre et celle de décembre. Donc, la pleine lune de novembre, elle porte le nom de la lune du givre ou de neige, car c'est la période où l'on commence à connaître des températures qui descendent sous 0 degré. C'est alors que le givre recouvre le sol et permet à la neige de s'accumuler. Cette lune est annonciatrice de l'arrivée des douceurs de l'hiver. Elle porte également le nom de la lune des castors, car c'est la période durant laquelle les castors s'activent pour isoler leur construction pour l'hiver et aussi la période durant laquelle ils accumulent la graisse qui les gardera au chaud. C'est la lune de l'abondance, idéale pour renforcer les liens familiaux et amicaux. La lune de décembre, qui est aussi appelée la lune du chêne, c'est une lune froide ou lune des longues nuits. Normal, les nuits d'hiver sont très longues. Cette lune appelle à l'espoir et à la guérison. La lune du chêne fait référence à la traditionnelle bûche de chêne que l'on brûle dans la cheminée pour maintenir la lumière dans nos foyers et faire fuir l'obscurité, et qui, au fur et à mesure du temps, fut remplacée par la célèbre bûche de Noël glacée. Cette tradition ancestrale celtique vise à célébrer le retour du soleil, car c'est à cette période de l'année que la lune règne sur la terre au nombre d'heures de nuit plus importantes que celles du jour. Laisser le négatif derrière et anticiper la lumière des jours plus longs qui reviendront. C'est le moment idéal pour oublier les querelles et aller de l'avant. Cette pleine lune veille sur la terre et vous invite à une renaissance. À la fin d'un cycle, c'est le bon moment pour laisser ses mauvaises habitudes et ses vieux problèmes et recommencer à nouveau. La lumière revient, laissez-vous enivrer par sa chaleur et sa douceur. Donc la semaine prochaine, je vous parlerai de la lune de janvier et de février. Bonne journée, puis bonne semaine à tous.